Écoute, depuis des mois et des mois, en tant que conseiller général, il crèche, entre guillemets, devant le mairie de proximité d'Orléans-la-Source. Pourquoi? Alors donc, depuis 2008, date à laquelle j'ai été élu conseiller général, et je rappelle que j'ai été au conseil municipal depuis 2009, j'assure mes permanences devant la mairie de la Source, parce que Serge Grouard, en beau démocrate qu'il est, me refuse la possibilité d'utiliser un local à l'intérieur. C'est certainement une des premières en France qu'un élu du peuple ne puisse pas recevoir les gens dans des conditions correctes à l'intérieur de la mairie. Donc, je fais ces permanences le dernier samedi de chaque mois, et ce depuis mars 2008. Et il y a 12 permanences par an, chaque dernier samedi de chaque mois. Alors, ce matin, il y avait un rassemblement et la présentation des propositions des Front de Gauche pour les prochaines municipales. Qu'en était-il? Alors donc, le Front de Gauche, la liste Orléans combatif et solidaire que je mène avec Dominique Trippé et avec le parti donc qui comprend le Parti communiste, le Parti de gauche et de nombreux militants associatifs, c'est-à-dire qu'on en a encarté, présenté aujourd'hui ces propositions au niveau des conseils de quartier. Nous, ce que nous voulons, c'est redonner la parole aux gens des quartiers à travers leur participation à des conseils de quartier vraiment démocratiques. Ce conseil de quartier serait composé d'élus, certes, mais aussi d'associations et de citoyens de toutes les origines, de tous les quartiers, et notamment des jeunes, pour qu'ils ne soient pas spectateurs de la vie d'un quartier, mais acteurs. Et avec, si possible, et ça nous allons nous battre là-dessus, qu'ils aient un budget leur permettant de porter des projets. Ça, c'est une de nos propositions, parmi bien d'autres, de notre liste Orléans combatif et solidaire du Front de Gauche. Une des propositions, c'est l'accès gratuit au transport. Pourquoi? Alors, on va donner la gratuité à tout et n'importe quoi? C'est pas donner la gratuité à tout et n'importe quoi. La gratuité des transports, c'est une proposition que nous portons depuis très longtemps, les élus communistes à Orléans. Elle est mise en place dans 22 villes au niveau national. Ça permet notamment pour les familles qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui vont au travail ou qui ont des démarches à faire, d'avoir la possibilité de ne pas trop se serrer la ceinture. C'est également favorable à l'environnement parce que ça empêche de se servir de sa voiture. Et puis, c'est un droit que nous comptons bien porter dans le cadre de cette campagne. Samedi prochain, il y a un rassemblement en place de la République à 15h. Oui, il faut se rappeler que le 1er février 54, il y a eu l'appel de l'abbé Pierre contre la misère pour le logement. Nous, nous souhaitons être présents sur cette problématique. Les élus communistes Front de Gauche le sont depuis très longtemps. La question du logement est une question sur laquelle on se bat depuis très longtemps. À travers, les municipales 2014, nous allons profiter de cet anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre pour présenter nos propositions en termes de construction de logements, contre les expulsions locatives, pour la réquisition de logements et pour des quittances de loyers un peu moins élevées qu'actuellement. Une dernière question, lundi prochain, le Front National présente ses propositions ici dans un quartier considéré comme un quartier populaire. Est-ce que le Front de Gauche va appeler à manifester contre la présence du FN ici dans ce quartier? Des militants du Front de Gauche seront certainement présents dans le rassemblement qui est organisé. Le Front de Gauche en tant que tel n'appellera pas à ce rassemblement. Il ne s'agit pas de faire de la publicité pour le Front National. Le Front National il est dans la bataille politique. Nous combattons fermement ses idées nauséabondes, racistes, xénophobes et malsaines, mais il est là.